vous dire déjà, attention, attention. N'oublions pas que Elir Teza... Passage dorsal. Grand tour dorsal, ici Saltoman Jaeger, corps carpé. Départ en soleil dorsal, franchissement dorsal, 4 chauffes. Passage à la barre inférieure, c'est obligatoire. On remonte très vite à la barre supérieure. Grand tour soleil, passage sur le dos, grand tour dorsal et du grand tour dorsal, la sortie en double salto avant. Ah là là. Pour Elvire, oui, malheureusement, c'est bien, petite imperfection à la chute, mais c'était un mouvement. Et réussir ça au championnat du monde, très, en très finale, haute volée. Et elle fera partie des 6 meilleurs, vous verrez. Ah oui, oui, sans problème. Alors, il reste l'Ukrainienne. Ah oui, Isabelle est contente pour l'instant, les 3e, et elle se dit, elle prie pour que derrière... la petite Cheremeta de l'Ukraine ne vienne pas la coiffer, mais tu vous rendez compte, si Severino avait une médaille de bronze, ouais, moi, je pense pas qu'Elvire Teza puisse devancer sa copine de l'équipe de France. Peut-être pas par rapport à cette sortie imparfaite. Voilà, le double avant, ici, le petit pas derrière, c'est un dixième qui s'en va. Et je ne pense pas qu'elle puisse... passer devant en tous Isabelle. Les cas, en tous les cas, c'est la première fois qu'on voit deux Françaises capables de se battre pour une médaille de bronze au championnat du monde. Hein. Ça, c'est sûr. Deux Françaises. Elvire, quatrième, 9,750. Alors, Isabelle Severino, je le rappelle, 9,775 et troisième pour l'instant.